Salut, moi c'est Anne-Caroline Graff, je suis challenger de la Fondation Française des Jeux. Je vous invite à découvrir mon monde. Bienvenue dans le Taekwondo. En fait, le but de l'association, c'est d'accompagner les personnes handicapées suite à un accident de la vie dans leur parcours de reconstruction pour qu'ils aient à nouveau une vie normale, épanouie, comme les autres. Oui. Je trouvais qu'il y avait une approche différente, tu vois, et cet aspect remotivation et reconstruction, il y avait marqué, je trouvais ça intéressant, et c'est pour ça que j'ai choisi votre association. En fait, c'est 5 jours très très intenses. On vit des émotions vraiment très fortes, et le risque, c'est l'effet mouvement, que tu rentres d'un voyage comme ça, t'es monté très haut, mais tu retombes encore plus bas. Et donc, pour éviter ça, l'idée de l'accompagnement est devenue une évidence et un projet incontournable de l'association. Moi j'ai essayé, mais j'ai trop peur. Ça glisse trop, c'est ça. Dangereux. C'est toi là? Tu vas vite. Respect. C'est beau, faut que ça dure. Tu t'attendais à t'ouvrir comme ça ou... Non, pas du tout. T'étais un peu... Je sortais un peu de 17 mois d'hôpital. Ah, j'étais tu un peu renfermé de... et je parlais pas trop aux gens en fait. Ouais, voilà, toi, et là, je... Là, ce coup, je me suis ouvert. Parce que ça se voit pas du tout hein, dans non. Le reportage, tout le monde allait. Ça faisait 2 semaines que je venais sortir de l'hôpital. Parce qu'en fait, au début, quand on est parti, je pensais pas faire tout ce que je vais faire. Mm. Et après, ça m'a ouvert l'esprit. Tu vois, ben, je suis doublement contente d'avoir choisi votre association. Vraiment. Tu fais combien d'heures d'entraînement par jour? Par jour, ça fait 4 heures par jour, du lundi au vendredi. Après, aux Jeux Olympiques, j'ai envie de te dire, c'était plus facile que tout ce que j'ai vécu avant, parce que les entraînements sont tellement durs qu'au final, tu te dis, tu vas faire 4 combats au jeu, c'est rien, quoi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est grâce à cette médaille que je peux soutenir votre association. On peut la toucher, quoi. Eh bien, sache que donc, grâce à cette médaille, et puis surtout grâce à ta volonté de nous attribuer ta bourse FDJ, on a pu cofinancer le dernier séjour de l'année dernière, fin décembre. Ben, j'en suis ravie et honorée, et puis voilà, je vous souhaite longue vie. Merci beaucoup. Prochaine fois pour le stage. Ah ben, t'es la bienvenue. On retient ta candidature. Vraiment.